Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc sur l'expansion de Final Fantasy XV. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas vraiment joué, enfin que moi j'ai pas touché réellement au jeu puisque j'ai annulé le dernier stream. Et donc on va reprendre un petit peu notre rythme aujourd'hui avec un nouveau duel, c'est-à-dire le duel contre Ignis qui se trouve ici, donc qui est le dernier duel on va dire. On va se dire comme ça hein, pour cette aventure. On va dire que c'est la seule quête active à ce moment-là. Côté équipement, ben j'ai toujours le même. J'ai pas changé sauf le shuriken. Alors j'ai l'arbalète, le katana et la hallebarde. Toujours lumière salvatrice en grâce royale. En inventaire, bon, il n'y avait rien eu. Information non plus. Et donc c'est parti. Tu peux y aller à fond. Voilà, si on est en danger, voilà, le duel s'arrête. Donc, par contre, celui de Prompto va tarder un tout petit peu à venir, tout simplement. Je suis prêt. Je suis encore très loin d'être arrivé au même point. C'est-à-dire, j'ai pas encore le niveau pour aller l'affronter. Par contre. Et en plus il se soigne. Ok. Donc on le. Ouais, okay. On va le laisser frapper. Hop. On va changer de tactique. Hein, on va. Vas-y, soigne-toi, claque-toi une potion. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voulez-vous recommencer? Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est peut-être parce que je reste trop près de sa magie. C'est pas grave. Ah ok. Ah voilà voilà. J'avais pas vu. On me soignait. Il est pas si facile que ça hein. Attends, Prompto n'aurait pas été un problème. Gladio n'a pas été un problème non plus. C'est pas toi qui va commencer à m'embêter. On va faire une petite esquive. Ah, juste. Ouh, il va me taper sur les nerfs. En fait, ouais, il se soigne. On frappe et on esquive. Ok, pourtant j'ai esquivé, merci. Hein. Ah, trop près, quoi, il nous fait des coups à 9000, quoi. Ah, on va réussir, hein. En deux coups, ouais, il peut nous manger. J'aurais peut-être dû prendre un bouclier. Bien, quel est le programme? Soigne-toi. Voilà. Impressionnant.
tu fais honneur aux lames. Faut juste comprendre comment le vaincre. Enfin, toi, on l'enchaîne, on esquive, et puis voilà. En l'avenant, quoi. Il est pas trop difficile. Faut juste comprendre la mécanique et pas non plus y aller au corps à corps, parce que quand il peut décocher un coup à 9000, ça fait très très mal, hein. De toute façon, ça va. Le combat était bien. Donc là, il n'y a plus de quête. Faut savoir que j'ai aussi farmé en off. Donc actuellement, je ne peux plus déverrouiller de mission. Néanmoins, je pourrais toujours les tourner, mais bon, la plupart, je les ai faites en live, donc voilà. Alors, lequel vous intéresse ? Donc, on a quand même déjà déverrouillé pas mal de choses. Donc, à part pour l'escorte que j'ai pas le niveau. Voilà, ça, voilà. Ce où il n'y a pas de point d'exclamation, c'est qu'on n'a pas encore fait. Enfin, que j'ai pas non plus fait. Sur le reste, vous pouvez les retrouver sur les streams. Il y a une playlist sur la chaîne où c'est écrit stream et c'est toutes les rediffusions donc, de stream que j'ai faites. Et notamment les farming. Souvent ce sont des quêtes aussi que j'ai découvert comme ça sans impacter vraiment sur l'histoire. Hein. Par contre, nous allons faire... j'hésite à faire celle-ci ou bien la chasse de griffon, chasse au griffon. On va quand même en faire une hein, pour clôturer cet épisode parce que j'ai pas non plus posté un épisode de 10 minutes. Bah, allez, on va faire celle-ci, elle est pas trop difficile. Merci d'avance. Courage, je compte sur vous. Par contre, les chargements pour les campements sont toujours aussi longs. Mais bon, ça se passe bien. Par contre, il y a eu un patch correctif sur certaines quêtes. On peut le voir au niveau d'information. Si on fait mise à jour. Voilà, donc... 17 novembre, il y avait eu quelques petits soucis. Un test technical. Voilà, donc c'était PSN, voilà, sur celle-ci. Donc le 16 novembre, ça a été patché. Il y a eu des quêtes qui ont été patchées. Oui, ça c'est encore des petits soucis. Ok, on va être avec deux PNJ. Bon, c'est pas non plus une quête très difficile. Hein, donc, avec ou sans PNJ. Ashley Riot, ça me fait penser à Vagrant Story, jeu de Square Enix aussi. Ah, on rencontre quand même pas mal de gens qui font des persos issus des jeux. Hein. Par contre, c'est vrai que les chargements, franchement, c'est exagéré, quoi. C'est vivement que, normalement, ça devrait être patché l'année prochaine. Espérons, hein, parce que bon, on passe plus de temps à attendre que à jouer, pour ainsi dire. Mais bon, c'est un jeu multi, on n'y peut rien. Puis voilà. C'est vrai que la musique de cette quête est pas mal. C'est vrai que j'arrive à me toper
l'OST du jeu. Enfin, de l'extension. On pense pas d'ailleurs qu'elle soit sortie. Alors, ensuite. Alors, je parle pas beaucoup tout simplement parce qu'il n'y a rien à redire. Il suffit tout simplement de taper les monstres. Et que actuellement j'ai trop d'os durs pour pouvoir les récolter. Franchement, ça, c'est pas vraiment une des quêtes les plus difficiles. Hein. En fait, je veux juste faire cette quête juste pour avoir en fait la... Normalement, on devrait avoir une cinématique juste après où on peut affronter... nos amis. Mais forcément, faut refaire une quête. À moins qu'il soit encore trop tôt dans l'aventure, puisque nous avons quand même débloqué 3 localités. Pour ensuite gagner. Enfin, là, notre objectif, hein, tout simplement, après, c'est de débloquer la baie de Galdina. Je pense qu'après la baie de Galdina, ce sera la fin de l'extension comme raid. Du moins telle qu'on la connaît. Peut-être qu'il y aura une autre extension pour agrandir un petit peu l'histoire du jeu. Bien qu'on sait que lors de la prochaine mise à jour, il y aura des nouvelles quêtes. Ça a été confirmé. Elle est très résistante, hein, la reine Garula mutante. Mis à part les assauts éclipses, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment lui. Pour le moment, même si je ne vois absolument pas ce que je fais. Il faut juste lui enlever la moitié de sa barre. Hein. Fait que la moitié de sa barre elle est enlevée, ça sera bon. Soigner. Après, j'osais néanmoins espérer avoir des quêtes. Ça, ce sera sûrement avec des quêtes ou autre. Pouvoir débloquer les autres grâces royales, puisque actuellement, nous avons débloqué toutes les grâces royales possibles. Hein. Ça, il n'y a pas de...
absolument rien quoi les sommes. Alors, prochainement il faudrait que je m'équipe soit d'une masse, soit d'un bouclier. Ça fera largement le taf. Parce que là je vois une peine. Malgré que la quête, franchement, elle est pas compliquée, c'est juste que les Garoulas sont connus pour être des gros sacs à PV avec une énorme défense. Là, vous voyez, on en fait les frais, quoi. Et je veux bien faire des efforts, mais il y a quand même des limites, quoi. Ah, comme si que je ne savais pas jouer au jeu. Hein. Bah, on va faire ce son de secours. Hein. Paye ton arbre. Voilà. Et voilà, cette petite quête est enfin terminée. Donc on va... Quand on va retourner au campement, je vais juste vous montrer un petit peu l'état du céfrier. Puis on s'arrêtera là. On aura bien avancé. Après, je continuerai encore à faire les épisodes. Et après, bon, le farming, bon, c'est le samedi soir. 21h-23h. Si on se prend pas la tête, on... Puis souvent, je ne suis pas tout seul, donc ce qui est assez agréable... Puisque le temps passe plus vite. Contente de vous revoir. Mais c'est vrai, prolonger l'extension, ça serait pas mal. On va avoir un autre chapitre. Allez, tous à table. Celui-là, c'est bien, mais en fin de compte, on ignore en fait qui nous sommes, réellement. On n'a pas retrouvé la mémoire. Et voilà. J'adore cuisiner. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me demander. Le chargement qui est très très long. Ah non, en fin de compte, voilà. Bon, ça aura été encore assez vite. Du cuir épais. Œil d'Ectoculus. Quelques fragments de météores. Revenez régulièrement pour d'autres livraisons. Ok. Par contre, il faudra que j'aille toper aussi ça dans les autres villes.
Alors, on fait quoi ? Alors, voilà à quoi ressemble actuellement le Sefri actuel. Donc, nous avons terminé donc, tout le côté ouest. Et maintenant, notre prochaine destination n'est autre que la baie de Galdina. Et après, sans doute, après, il y aura peut-être la forteresse nord qui se trouve ici, il me semble. Moins que ce soit encore un peu plus au nord, non ? Non, c'est bien là où je l'ai montré. En fait, voilà, pour accéder à ce petit campement, donc qui va nous ouvrir la route, enfin bref, jusqu'à la baie de Galdina, il va nous falloir battre Morteuil. Donc Morteuil, il me semble que c'était un morbol qu'on avait déjà combattu dans le jeu initial. Et ensuite, nous aurons un laboratoire très convoité en quête. À plus tard. De libre. Donc toi, qu'est-ce que tu nous dis ? Il y a quelques jours, au large de Galdina, oui. D'après ce que Dino m'a raconté, ça on le sait, voilà. Alors par contre, en débloquant l'ère de Kotès, le dernier, on nous a fait comprendre que Gentiana était venue ici voir Kor et a lui annoncé donc une mauvaise nouvelle. Et voilà, donc c'est pour ça donc qu'il est parti et voilà que nous sommes ici à essayer de remettre l'électricité au lieu d'aller combattre le mal. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures.